Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau sketch Harry Potter. Ça faisait super longtemps, là pour le coup ça faisait plusieurs mois. Et donc aujourd'hui c'est un sketch un peu spécial parce que je vais pas le réaliser seule. Donc en fait ce sketch je l'ai fait avec Alan et Roxane de la chaîne The Rowling's World. Et donc je vous invite très fortement à aller voir cette chaîne entièrement dédiée à Harry Potter et plus particulièrement au sketch Harry Potter, du coup si vous aimez les sketchs Harry Potter, parce que franchement c'est les, pour moi, les number one dans cette catégorie sur YouTube. Ils sont juste excellents et c'est pour ça que je leur ai demandé de participer à cette vidéo. Donc je vous mets leur chaîne dans le petit i ici et elle sera également dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir, de toute façon vous allez voir un aperçu de ce qu'ils sont capables de faire dans cette vidéo. Donc tout simplement aujourd'hui dans ce sketch je vais vous montrer ce que ça donnerait si les sorciers avaient une chaîne YouTube. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau prank. Donc on va prank Alan, Alan qui est mon camarade de chambre. Et donc je lui ai pris sa baguette, je lui ai volé sa baguette. Et en fait je vais lui faire croire que j'ai cassé sa baguette. Donc je vais prendre un bout de bois que je vais casser maintenant. Alors donc Alan n'a pas tardé à arriver, donc voilà, on va le cacher. Donc je vais mettre sous l'oreiller. Voilà, c'est sous l'oreiller. Et la vraie baguette, je la mets là sous lui. Salut à tous, c'est The Best Serpentard, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois, oui je sais, pour un haul. Je sais que j'en ai déjà fait un la semaine dernière, mais écoutez, ça fait des vues. Enfin, ça vous plaît. Du coup, pourquoi pas. Alors oui, j'ai encore craqué, je sais, mais écoutez, ça vous plaît de voir plein de choses que je vous présente. Alors je me dis pourquoi pas. Alors dans un premier temps, je suis passée chez un incontournable Onedux. Donc je me suis refait une petite réserve, bien sûr. Donc des crapauds à la menthe poivrée. Dragée, bien sûr, faut se faire des petits stocks. Et je me suis pas pris une ni deux, toujours dans la vue. Je me suis pris trois chocos grenouilles. Je me suis dit, écoutez, tant qu'à faire. Voilà, trois petites chocos. Coucou les petits dragées! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon meilleur ami Alan. Donc c'est vraiment mon meilleur ami, ma vie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un méga unboxing de choco-grenouille. Donc choco-grenouille de Noël. J'adore les choco-grenouilles. C'est genre ma vie. Ouais. Je pourrais genre en manger tout le temps. Du coup, on va commencer tout de suite. Je commence la première. Ouais. Alors peut-être on explique genre. Ok, vas-y. Genre en fait, voilà, non, nous on est genre des grands fans de chocolat déjà de 1. Et puis genre, faut savoir qu'on collectionne genre les cartes de chocogrune depuis genre peut-être 5 ans comme ça. Ouais. Et genre, j'avoue que moi, j'adore ça quoi. J'adore. Genre donc j'espère avoir des jolies cartes quoi. Des rares. Voilà, donc roulement de tambour pour ma chocogrune. Qui c'est qu'on a comme rare, tu sais, genre Serpentard, je crois, Godric Gryffondor, Dumbledore, elle est pire rare. Je sais, j'ai un pote qui l'a, j'étais choquée. Ok, on y va. À toi l'honneur. Roulement de tambour. Souffle. Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer. Enfin, c'est un tuto du coup pour vous montrer, en gros comment entretenir son balai. Donc moi j'ai un Airbus 2000 du coup. Et du coup, alors cette vidéo elle est sponsorisée par Broom Care Wax, qui du coup m'a envoyé cette cire à balai. Du coup on va la tester en vidéo pour voir si ça marche pour entretenir le balai du coup. Alors du coup Broom Care Wax c'est utilisé par toutes les plus grandes équipes de Quidditch. Du coup voilà, donc il y a ces dépôts de 200 grammes. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour le commander et tout. Enfin voilà. Donc je vais vous mettre sur... Can you dance like a hippo?
je me suis pris ça chez Onko. Je me souviens plus pourquoi je l'ai pris. Juste pour vous le présenter en vidéo, mais voilà, j'en avais pas trop envie. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire de voir ça en vidéo, peut-être. Hein. Donc n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc, on commence doucement, je suppose. J'ai déjà cette carte, mais c'est pas très grave, je suis quand même satisfaite. Cool, on était au bord pour moi aussi. Oh putain! Serpentard, genre. Oh putain, je suis trop choquée. C'est galère. Ah. Bon, alors en fait, bon, je sais pas si vous allez voir, mais du coup, bon, ça arrivait un peu cassé la cire. Enfin bref, mais ça c'est pas grave, hein, je pense que ça peut arriver pendant le transport, enfin, c'est pas très grave. Enfin, le produit est encore à l'intérieur, du coup j'ai ma petite brosse pour pouvoir appliquer bah, la cire. T'as passé une bonne journée. Ouais, tranquille quoi, les cours. Par contre, je sais pas où j'ai foutu ma baguette. Ok. Alan, il faut que je dise quelque chose, mais tu dois me promettre de pas t'énerver, ok? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment désolée, mais... J'ai cassé ta baguette. Ensuite, je suis passée chez Guéchiffon, donc la petite boutique de vêtements de Préolard. Alors oui, ne vous affolez pas, hein. Je vous vois déjà avoir une crise cardiaque devant votre écran. C'est pas pour moi, hein, heureusement. C'est pour l'anniversaire d'une amie, donc voilà, elle avait plus d'écharpe. Je me suis dit, je vais lui en reprendre une. Mais bon, on va vite mettre ça hors du champ, parce que voilà. Ok, moi. C'est génial, hein. Donc, j'espère que cette fois, la chance me sourira. Alors ? Pauvre souffle. Voilà. Bon bah allez. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Je me suis assise dessus et c'est cassé en trois. Et donc vraiment, je suis désolée. Je parle là. Ensuite, toujours chez Guéchiffon, je me suis pris une nouvelle cravate de Serpentard. Alors regardez, c'est une nouvelle collection. Enfin, si, il y a un petit contour argenté tout sur les côtés, je trouve ça trop beau. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu m'en veux? Bon, je peux pas t'en vouloir en fait. Pourquoi? Je pensais que t'allais une couture. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce truc de merde? T'es pas trop déçue. Hein. Bah j'espérais une autre carte, mais je pourrais les changer, c'est pas très grave. Souffle encore une fois. À toi. Elle a un peu trébuché de ta commode et du coup je... Qu'est-ce qui a trébuché ma... Et puis du coup ben je devais me dépêcher, j'étais un peu à la bourre et puis j'ai marché dessus quoi. T'as cassé la baguette en fait. Roulement de tambour. Casser ma baguette parce que moi c'était un putain de prank, Alan. J'ai pas vraiment cassé ta baguette, Alan. Ta baguette elle est là. Putain, c'était un prank et toi tu casses vraiment ma baguette. Je suis désolé, Roxane, je suis désolé, vraiment, vraiment, je suis désolé. Non, mais je te la... Non, mais en fait, je te la repayerai. Je te la repayerai. Mais en fait, toi, c'est même plus drôle en fait quand tu fais ce genre de choses. Oh putain. Dumbledore. Bon bah du coup n'hésitez pas à commander Broom Kerouac, c'est une super cire pour les balais. Je suis trop content. Ah, je suis trop content. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, ça je vais genre le mettre en haut de ma collection, tu sais, genre là. Donc, genre en fait là c'est mes chocoronnes, c'est mon argent, donc en fait par conséquent Dumbledore c'est à moi, donc vraiment je suis trop contente, c'est vraiment genre la plus rare. Bah bah grâce à toi je l'ai retrouvé quoi, merci. Quoi? Tu sors de la salle! Mais c'est aussi ma salle commune. Je m'en fous, tu t'en vas. Tu m'envoies, tu prends ta baguette, tu prends tes livres et tu te casses. Je suis heureuse. Merci Alain d'être venu sur ma chaîne.
trouve ta dernière choco-grenouille. Peut-être aussi que tu auras... On sait pas. Du coup, roulement de tambour une fois encore. La dernière, j'espère. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je pense que la prochaine fois je vous ferai encore un haul, parce que comme je vous ai dit, ça fait des... ça vous plaît, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à, voilà, à mettre un petit like, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, à mettre un petit commentaire, tout ça, tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'ils vont donner un gros chèque parce que... Tu te casses ! D'accord, 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 d'accord. Putain, je faisais des blagues ! Tu casses vraiment ma baguette ! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sketch qui était quand même assez longue, mais en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et donc je vous rappelle, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Alan et Roxane de Rolling's World dans le petit i dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, également si ben, vous avez d'autres idées de ce que ça pourrait donner des sorciers youtubeurs, peut-être que ça pourrait donner naissance à un prochain sketch ben, sur ma chaîne. Et ben donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire une story time. Voilà, donc ça change un peu des vidéos make-up que j'ai l'habitude de faire. Donc ça va être une story time où je vais vous raconter en fait la fois où je me suis fait draguer par un gobelin. Voilà, pour moi c'était vraiment important de vous en parler parce que, voilà, enfin, entre nous on se dit tout. Vous me suivez, mes abonnés, vous me suivez depuis le début, on est copines, moi je vous dis tout. Donc je trouvais important de vous en parler. Donc pour poser un petit peu les bases, c'était à la rentrée de ma quatrième année, donc j'avais 13 ans par là. Et puis donc je voulais faire un petit peu les courses pour acheter les fournitures scolaires au chemin de traverse. Donc je vais chez Gringotts, je me rends chez Gringotts donc, et puis j'arrive à la réception, puis je fais bonjour, j'aimerais retirer un petit peu d'argent, ce serait pour mes fournitures scolaires s'il vous plaît, coffre 713. Et là, le gobelin, il me regarde. Et puis, il me fait...